hein? C'est bon, oui. Voilà. Du coup, il n'est pas peur. Mais bon, belle encolure, excellente ligne de dos. Très bonne poitrine, excellence antérieure et postérieure. Excellente profondeur, excellent disque, belle qualificative excellent. Se présente bien la nuit. Ah oui. Ça va. Alors, on a mis sur ses réserves, on a fait ça. Ah bon, j'avais un doute maintenant. Non, je vous en prie. Faites votre boulot. Bon, terre de race, le mal. 450. Je vous remercie. Donc, le griffon phoque de Bretagne. J'ai vu tout à l'heure, il va pas tarder. Ça brouille un peu. Ouais, je suis trop près. Bon, un petit réglage. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de coller. Vous allez vous mettre au milieu, les enfants, après, hein. Isabelle. On va les faire mettre au milieu. Voilà. Il nous manque le griffon fauve de Bretagne. Le voilà, c'est parfait. Nous sommes au complet pour les jeunes présentateurs de 6-10 ans. Donc, vous voyez, Isabelle Vir, donc... va demander au Schneuser, à la demoiselle, de faire un demi-tour, de le présenter à statique. Regardez, Jean du Sud. Ah, c'est bien. On l'applaudit en passant, s'il vous plaît, merci. C'est vrai que c'est pas toujours évident de passer dans cet théâtre qui est un petit peu bosselé, mais bon, on fait avec, hein, c'est pour la même chose pour tout le monde. Je sais que c'est Irlandais. Voilà, donc là c'était les Irlandais qui vient de faire les retours et qui va faire un grand tour. Là ça a fait l'arrêt, donc on peut y aller, on y va. Et oui, ça suit, c'est très très bien. Alors, ils sont venus, il y avait 16 participants par rapport à l'année dernière où il n'y en avait pratiquement pas. C'est... Je remercie son délégué qui est venu et tous les participants en phoque de Bretagne. Donc, ça fait plaisir de connaître cette race que je ne connaissais pas tellement. Donc c'est un grand plaisir. On les aura aussi en meute tout à l'heure, vous allez voir, c'est spectaculaire. On a nos 5 qui ont été présélectionnés par Isabelle. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais demander à... On va faire un grand tour après. Attends, 2 minutes, j'y viens. On fait un grand tour et je voudrais qu'on les applaudisse tous. Et après, on fera la sélection. D'accord? On y va. Allez, les enfants. On fait un grand tour, vous revenez à la case départ. Pour les petits chihuahuas, quand ils sont petits comme ça, on peut leur demander de faire un tour à l'intérieur, simplement. Prends-le dans tes bras, mon garçon. Prends-le dans tes bras et continue à faire ton tour.
Il n'y a pas de problème, on doit t'applaudir comme les autres. Merci. Attends, on avait les chevaliers, premier, deuxième, troisième. Est-ce qu'ils sont là? Voilà, on va faire comme ça. L'année dernière, il n'y avait rien. Cette année, j'ai décidé de m'y mettre un peu plus. Alors, il y a... Non, non, mais ça fait rien, Isabelle. Oui, oui. On va mettre les chevaliers du premier, deuxième, troisième. Ouais. Ensuite, je vais demander à Sylviane, qui est notre bénévole, qui est fait partie du club de Cossins, que je commence à connaître. Voilà, oui, là, on a mis... En fait, quand on a mis 3, 2, 1... Alors, pour ceux qui sont par ici, bien sûr, ils ne voient pas. La prochaine fois, on les mettra de l'autre sens, je pense. Hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, on a 5 participants. Donc, alors, quatrième... Cinquième. Le petit garçon chihuahua. On applaudit, hein, parce que... Bon, ben, il n'a pas marché suffisamment bien, mais il a mérité son cadeau. Voilà. Et bien sûr, toujours des conseils. Quatrième. Le griffon fauve de Bretagne. Voilà, tu viens là. Troisième, entre le Schnauzer, le setter irlandais ou l'autre chihuahua. Le setter irlandais, troisième. On applaudit très très fort. Deuxième, le petit chihuahua est meilleur, le Schnauzer. 10, on a notre compte. Alors, n'oubliez pas que là, vous êtes tous les 10. La moindre erreur, hein. Surveillez le juge. Un œil sur le juge. Le juge doit être toujours devant vous, avec le chien devant vous. S'il passe derrière, vous devez faire attention. On doit le présenter convenablement. Voilà, vous voyez, toujours présentation en statique. Donc on va voir s'il démarre du bon sens. Très joli. Là, c'était un aller-retour et non pas un triangle. Voilà. Voilà, vous voyez, elle essaye de donner des conseils pour pas que les enfants stressent. Ouais, là, elle avait fait une erreur, il faut partir de l'autre côté. Ouais, toujours la main gauche. Allez, voilà. Quelques conseils, on l'applaudit parce qu'elle a très bien présenté ici. C'était irlandais. On continue avec le Schnauzer nain, droite. Il faut y croire, hein. Face à la restauration. J'ai bien gagné à l'essai, terme. Et au championnat de France, en plus. Voilà, un petit cadeau de Royal Canard. Et au bulldog français, ainsi qu'au chihuahua, je suppose, puisqu'on a le 5 sélectionné. Déjà, elle a fait la moitié. Bah, ouais. Il est où le chihuahua qui n'est pas sélectionné? C'est monsieur? Viens chercher un cadeau. Il n'y a pas de raison, c'est comme les autres. Voilà, merci, c'est gentil. Voilà nos 5 sélectionnés entre le berger australien, le dog de Bordeaux, le grand caniche, le setter irlandais, pardon, et le schnauzer nain. On va la verre là, la tête. Voilà.
Les pères et les couples se préparent dans le pré-ring, les pères et les couples. Le temps qu'Isabelle fasse sa sélection. Ah, on change de propriétaire. Le caniche, le grand caniche et le dog de Bordeaux ont changé de propriétaire. On va voir, ça c'est plus difficile. C'est pour voir ce qu'elles sont capables de faire. Un aller-retour toutes les deux. Ah oui, la juge est difficile. Hein. On y va. Et on nous applaudit très fort parce que, regardez, ils débrouillent bien toutes les deux. Hein. Pourtant, ils n'ont pas le même chien. Un aller-retour. Voilà, ils s'attendent tous les deux. Allez, il y en a une qui veut passer devant l'autre. Ah, c'est très bien. Attention, vous mettez les pieds là, voilà. On se repositionne devant le juge. Tout ça pour avoir la première, la deuxième ou la troisième place éventuellement. Faire la quatrième ou cinquième, mais je pense pas. Ah, c'est une interrogation orale en plus. Ouais, sans doué, hein. Vous reprenez votre chien. Allez, tous les salles, on va faire un tour complet. Allez, le berger australien, et on s'applaudit tous les salles. Le classement va se faire après. Doc de Bordeaux, Grand Caniche, Super Irlandais, Closer Nain. Voilà. Top. Ouais, là, le devant. Mettez-vous en ligne. Voilà, c'est bien. Cinquième, le setter irlandais. On l'applaudit hein, parce qu'elle a très bien présenté son chien. Et après, il y a des petits points qui font qu'on apprend et c'est très bien. Quatrième, le schnauzer nain. Quatrième,